Ohio, ici Gunshow de la Fume Steam. Aujourd'hui, je vais vous montrer une création d'un vaisseau, enfin d'un vaisseau de base que j'ai modifié pour vous montrer qu'il est possible de forer à partir de rien. Donc voilà, enfin, ça m'a mis une petite heure pour tout rassembler, tout faire, mais dans l'ensemble, c'est de mettre mettre 4 grosses foreuses sous un petit vaisseau de base. Comme ça, ça ira mieux. Donc en gros, j'ai mis cela dessus, quoi. Tout simplement, hop. Ah, là voilà. Donc en gros, voilà, j'ai mis ça, tac. Et ça marche. Bon, pour que ce soit relié à... ici... Enfin, j'aurais pu faire ce côté, mais comme il y a les réacteurs à tout ici, enfin... j'ai pensé à autre chose. Moi, je pense que je peux agrandir et mettre les d'autres réacteurs même plus loin. Mettre au moins 4 à chaque côté et agrandir la surface pour les... enfin, mettre d'autres foreuses. Donc ouais, c'est possible aussi. Alors, donc là, ça part là, tac, tac. Hop, ça va dans le conteneur, enfin, dans la machinerie. Donc, tout va bien, donc ça, tout est coordonné, enfin, tout est rassemblé. Donc c'est parti. Bon, maintenant on va montrer en live la bestiole. Donc là, moi j'aime bien, hop, ferme la porte. Oh. Ça fait plaisir d'entrer chez toi. Donc voilà, alors, il y a de part où je vais pas faire de gaffe, parce que comme c'est un vaisseau assez lourd, une seule petite manœuvre dangereuse pourrait me contraindre à faire exploser le vaisseau. Donc c'est pas assez marrant. Vu que j'ai déjà crashé des petits vaisseaux miniers que j'avais fait. Donc là c'est un gros, on va dire un plus gros. Donc en gros il faut rapprocher à peu près comme ça en changeant Alt. Vous appuyez sur Alt et vous bougez tout autour de la caméra. Pour mieux voir où vous allez ou carrément voir où vous voulez miner. Ça sera plus simple. Que foncer tout droit, tête baissée. Bon, je sais pas, là, c'est comme c'est un test, je vais prendre de la roche au hasard. Et en plus, ça marche, c'est que c'est pas mal. Ça pourra, comment dire, changer les choses. Chaotique et vu que c'est de la pierre, ça met longtemps. En gros, le but c'est ça en fait, c'est d'utiliser grande foreuse sur un gros vaisseau qu'on puisse raser par exemple, je sais pas, la moitié d'une bonne petite, un bon petit rocher. Je pense si on peut faire, je serais avec Rockfortid, essayer de faire un grand vaisseau, vous voyez. Mais tellement grand que ça pourra englober un sacré, on va dire, comment dire, un sacré endroit d'une partie d'un météore et foncer dessus avec le vaisseau et, enfin pas foncer mais genre avancer en progression et miner tout le tout quoi avec, avec ça et avec un bon stock derrière et hop là, comme ça après on manque pas de minerai et... Et franchement, ça serait, comment dire, un peu le pied quoi. Donc là, on va essayer de miner l'or quand même. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. C'est juste un petit vidéo tuto, on va dire, entre guillemets. Pour faire en sorte d'avoir un équipement de minage, même si on n'a pas d'autres vaisseaux à disposition. On peut modifier le transporteur jeune. Il faudra éviter quand même de trop forcer, sinon ça pourrait casser la machine. Et ça ferait un peu chier, moi je pense. Donc après les ressources, bon après les ressources ne sont pas vraiment... Il faut pas vraiment grand chose pour le faire, mais...
dangereux ça, ouais. Ok, c'est ce côté. Bon. Comme ça me de, on va dire, pour tester, on va le faire. Bon, si ça explose, hein. C'est pas trop grave. Là j'ai atteint mon objectif, miné cette partie. C'est vrai, je pense que ce sera un peu trop dur pour rentrer dans en lui-même dans les petites cavités qu'on fait habituellement avec les petits vaisseaux. Là j'ai touché un truc. C'est assez dangereux parce que j'ai déjà pété plein de vaisseaux comme ça. Donc en gros, normalement, si on voit dans la production, dans l'inventaire, normalement j'ai ramassé quelques ingrédients. Bon, après, il n'y a pas tous les ingrédients, mais je sais que j'avais pas toutes ces pierres. Et en attendant, pour montrer, je crois qu'à l'heure... Ah, mais je vais tout vider sinon. Parce qu'après, normalement, collecteur, connecteur... Je crois que c'est connecteur, ouais. Petit recteur, ouais, c'est ça, ouais, je pense, ouais. En gros, si vous allez sur connecteur, normalement, vous pouvez le jeter ou tout connecter. Donc après, ça change pas. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut rejeter après ce qu'on veut pas. Mais en plus, si c'est tout jeté en fait, c'est tout. Voilà quoi. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc en gros, voilà. Je pense que ce sera tout pour cette petite. On va dire vidéo mise à jour là. En gros, voilà. Avant de vous quitter, quand même, je vais vous montrer un truc aussi j'ai vu dans la mise à jour, qui est vraiment assez sympa. Vous voyez notre beau medical room. Bon, là, c'est pour toujours se soigner. Là, sur le côté, il y a un truc qui a été ajouté. Hop, T. Et là, vous pouvez choisir votre couleur. Et franchement, c'est pas énorme ça. Après, il n'y a que yellow, white, shadow, red, green, enfin les couleurs de base. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc intéressant. Si vous voulez faire des équipes dans Space Engineer par exemple. Voilà. Donc maintenant, tout, quand on crevera, ben, on pourra choisir sa couleur. Ce qui est pas mal. Donc voilà. Mais sur ce, je vous laisse à plus tard pour d'autres vidéos en ma compagnie et au Quality, ou moi tout seul. Tout dépend. Tout dépend de leur vie. Donc voilà. À plus tard, bye bye, c'est Gunshow de l'FMS.